Parce que le cinéma, ce n'est pas que des hommes derrière la caméra, nous allons enfin parler des femmes dans cette émission pour le moment très masculine. La réalisatrice dont nous allons parler aujourd'hui est une grande romantique. Une de ces romantiques qui adore mettre de sa personne au cœur de ses films afin de rendre ses récits passionnants et sincères. Valérie Donzelli est une réalisatrice d'origine française qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 20 ans. À la base formée comme actrice, elle développera rapidement une envie pour la réalisation, ce qui l'amènera à passer derrière la caméra et à mettre en scène des histoires souvent inspirées de sa propre vie, et quand ce n'est pas le cas, très liées au quotidien et à un réalisme profond. Cette jeune metteur en scène est donc une grande passionnée de l'amour, ses films racontant toujours une romance, ou quand ce n'est pas le cas, ceux qui tournent autour de celle-ci. Cherchant ainsi à développer des portraits romantiques profondément ancrés dans notre réalité, elle développe un univers qui fera d'elle une réalisatrice à intelligence rare et à la patte reconnaissable. Car c'est là que l'on comprend pourquoi Valérie Donzelli a pu se faire une place dans la production audiovisuelle française. Elle a une vraie patte d'auteur, une patte qui se reconnaît au fil de ses films. Ses histoires dégagent ce petit quelque chose qui crée une différence par rapport à d'autres auteurs romantiques. Ce petit plus qui donne lieu à un moment de cinéma qui sort du lot et qui prend directement le spectateur. Ce petit plus, il est simple. C'est l'univers dans lequel Donzelli décide de placer ses personnages et de peindre leur parcours dramatique et narratif. Un univers qui est presque toujours proche de notre monde, et qui ne s'en éloigne que très rarement d'ailleurs, afin de faire en sorte que le spectateur se sente totalement investi par les récits qu'il voit apparaître devant lui. Donzelli, c'est un peu une manière nouvelle de voir le cinéma dans un sens. Pas forcément une manière novatrice ou inventive, mais une nouvelle manière de reconcevoir certains codes de celui-ci. C'est une nouvelle manière de concevoir la place de la voix off, c'est une nouvelle manière de concevoir le parcours d'un personnage, et c'est une nouvelle manière également de concevoir la technique et la réalisation de celui-ci. Ainsi, au-delà de simplement s'approprier les codes d'un genre de cinéma, Donzelli cherche à leur donner un caractère trempé, un caractère à la hauteur du monde dans lequel elle met en place ses récits. On assiste alors à une théâtralisation de notre monde, transformant les va-et-vient des personnages en une grande épopée romanesque ou un récit totalement décalé. Peu importe les âges, peu importe les personnages, peu importe le monde, Donzelli aime les êtres humains et cherche avant tout à les montrer dans un environnement qui leur ressemble, un environnement simple. La réalité rattrapant ainsi la fiction, Donzelli donne ainsi à ses protagonistes une dimension universelle, propulsant alors un regard humain sur des icônes de cinéma qui finalement nous représentent. Plonger dans le cinéma de Valérie Donzelli, c'est un peu comme tomber amoureux, si ce n'est pas déjà fait bien sûr. C'est voir une romance se construire et peut-être parfois se détruire. À l'image de la vie, le cinéma de Donzelli est parfois dur, mais sous cette carapace de réalisme se cache finalement une grande romantique, un peu comme nous tous d'ailleurs.